Ah putain, vous êtes déjà là, juste 2 secondes. 2 secondes, j'arrive, j'ai un truc à régler. Hey, let's go my friends, Mais it's me, Rudex. Attends, le voir, il est temps, lui. Mais vous êtes pas anglais? Bienvenue chez moi, hein, bienvenue dans ma chambre. Un bon truc de geek de merde, hein, vu bien par les parents qui m'ont acheté ça. Mais ça, alors ça, ne posez pas la question, ça fait plus peur qu'autre chose. Mais rentrez, vous inquiétez pas, faites comme chez vous. Oh, 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 doucement, montre pas trop tout. C'est pour quoi? C'est pour le... Watch time. On apprend bien aux petits gamins à faire les trucs. Allez, entre. Ici, voilà, on rentre, une belle affiche de Sword Art Online, c'est le meilleur manga, je m'en bats les couilles. Ensuite, vous avez Made in Abyss, le meilleur manga de tous les temps aussi. One Piece, Sword Art Online saison 3, voilà, bon, vous connaissez un peu les bails. M, voilà, vous avez un peu mes dessins à moi, qui sont sympas, à part ça, bien sûr, ça, je les ai eu gratos. Parce que je suis un grand mangaka, je suis quelqu'un de très spécial, absolument pas, je sais pas dessiner de manga. Voici le dessin que j'ai fait, le dernier. Combien vous l'achèterez, monsieur? 10 000? Oh, y a pas de souci, on peut faire un arrangement. Ensuite, il y a les petits trucs de dessin que j'utilise, etc. Alors, je suis un gros fan des Simpsons, voilà, parce que j'aime beaucoup les animés manga, mais j'étais obligé d'avoir des peluches moches. Mais regardez, on dirait deux trisomiques. J'ai juste envie de les frapper en fait. Trois trucs, j'ai les petites collections de fèves de Marvel parce que j'aime beaucoup Marvel. Ensuite j'ai les vieux classeurs Star Wars qui se rappellent de Star Leclerc. J'ai ma YouTube monnaie parce que oui, grâce à vous, ma communauté, je gagne beaucoup de sous. Pour ce qui est du reste, j'ai beaucoup de Blu-ray, enfin beaucoup de Blu-ray. Là, c'est le peu que j'ai pour l'instant, j'en ai beaucoup caché là. Et c'est vraiment pas mal, voilà, j'ai tout ce que je vous avais montré dans mes achats, etc. Il y a des petits ex-libris partout, alors attention. Hé, les gars, ça je suis pas peu fier. J'arrive, Voldemort. Wingardium Leviosa. C'est la... Non, bien sûr, c'est la baguette de Hermione Granger, voilà, dans la boîte d'Ollivander, parce qu'elle m'a choisi. Pas Hermione Granger, hein, j'aurais bien aimé à l'époque, mais non, c'est la baguette qui m'a choisi. Ensuite, petit meuble qui est sympathique avec deux gros posters de Your Name et Les Enfants du Temps. C'est deux magnifiques films, il faut que je regarde le nouveau qui va bientôt sortir. Alors là, Destination Classroom, qu'est-ce que je peux dire sur cette année? À part qu'il est dingo, il est dingo. Deux verres pour boire de l'alcool, parce que j'adore l'alcool, vraiment, c'est vraiment la meilleure boisson, c'est mieux que l'eau d'ailleurs. Attendez, mais c'est moche. Ensuite, ma petite collection de jeux vidéo. Alors, j'ai pas tous mes jeux vidéo, j'en ai dans un autre truc. Là, c'est de la Wii. J'ai deux de PS2, la Switch et les DS 3DS parce que je suis un énorme fan de Nintendo. Ah là là, cet animé, les gars, cet animé. Cet animé là, cet animé. Il m'a coûté cher ce fils de. Donc, partagez en masse pour que j'ai des sous pour rembourser tout ça. On a un beau katana de Tanjiro pour ceux qui veulent le manga. Vous savez quel katana c'est. Je l'ai acheté dans une vidéo en Belgique si ça vous intéresse. Voilà. En fait, c'est celui de Tanjiro. Ouais, c'est pas un vrai. Ensuite, on a un mini katana. Hop. Je sais pas si c'est un katana, mais vous captez ce que c'est. C'est pas un katana. Ou alors c'est un cure-dent. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Ensuite, nous avons deux figurines que j'ai depuis un petit moment maintenant. Limule et Milim. Faut que j'achète d'autres trucs comme ça parce qu'il y en avait une qui m'intéressait de Limule à l'époque. Un KitKat, mais ça c'est pas grave parce que je suis juste un gros porc en fait. En haut, on passe. Alors, ça a été difficile de définir ce meuble en fait. Genre au début, c'était un meuble bien et au final, c'est là où je mets tous mes goodies. D'ailleurs, petit aparté, si ça vous intéresse, mesdames et messieurs, je fais la mangathèque des abonnés une fois par mois. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Discord ou en MP sur Instagram pour me contacter, etc. Pour pouvoir y participer. J'ai déjà deux personnes qui y participent pour le prochain. Et bien sûr, si vous voulez y participer entre temps, n'hésitez pas, etc. Meuble à goodies en mode, voilà, il y a les lacets de Pokémon, de slime à l'envers, lui, là, à l'endroit de Jujutsu Kaisen. Là, il y a aussi les trucs de MHA. Là, je crois que c'est l'apprenti sorcier. En fait, c'est tous les goodies que vous avez quand on est gratteur. Ça, c'est moi qui l'avais fait pendant le confinement. Et j'ai un nombre incalculable, mais les gars, j'ai un nombre incalculable de ça. Parce qu'en fait, quand je suis parti en Belgique, on m'a offert ça avec du Genshin Impact. Beaucoup trop de Genshin Impact. Voilà, après, c'est l'attaque des titans. Ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est. Voilà, j'ai beaucoup trop de trucs. My Hero Academia du Collector. Genshin Impact encore. Ensuite, on a d'autres dessins en haut. Je sais pas si vous les avez très très bien vus jusqu'ici. C'est toujours moi qui dessine, bien sûr, ça fait un petit moment que j'ai pas dessiné. Ensuite, genre, il y a plein de dessins que j'ai dessiné au fur et à mesure. Au lycée, alors ne dessinez pas les enfants au lycée, c'est pas bien. Si vous faites chier, mais ça, c'est pas grave. Ça. Juste, c'est prêt à mur, Nagisa. Prêt à mur, non?
Ça, c'est la réponse à ta question de ça date d'il y a très très longtemps. Alors non, je suis pas un gros pervers, bande de fils de pute, vous y croyez pas. C'est juste que ça rend un peu stylé, genre je trouve une sorte de couette. Et j'avais pas d'autres couettes, je voulais celle de The Quintessential Quintuplets. Mais il avait plus, ils m'ont passé celle-là, c'est très bien. C'est là où le genre, c'est mon entre, c'est là où je fais des choses coquinoues. Bah quand on voit les chaussons, on se demande. Non arrête les gars, je vous accueille avec classe ici. Alors ce côté, vous avez commencé un peu à le voir tout à l'heure. Il y a ma fabuleuse PS5. Oh là là, regardez-moi ça. C'est avec elle que je fais des dingueries au lit, les gars. Là, on a quelques merdes, mais on s'en bat les couilles. Ensuite, on a ma collection, début de collection de manga. Alors oui, c'est un peu le bordel, je suis désolé, mais voilà. On a tous les The Promised Neverland pour moi, mais The Promised Neverland, c'est dans mon top 3, c'est cœur, c'est vraiment excellent. Bon, ça, c'est parce que je suis un gros alcoolo, du coup, j'ai ça. Derrière, mais je sais pas si on les voit beaucoup. Voilà, derrière, j'ai beaucoup de DVD, mais je les sors plus trop, parce que je les ai vus un incalculable de fois. Alors, une petite recommandation, si ça vous intéresse, ce film-là, il est excellent, vraiment. Enfin, genre, c'est un truc sur le cannibalisme. Avec un beau petit homme japonais, parce que oui, je sais comment me les procurer, hein. N'hésitez pas à me demander. On va faire un partenariat chez qui je les ai achetés, hein. N'hésitez surtout pas à me demander. Là, on a ma collection de My Hero Academia. Alors, je suis pas peu fier, on me l'a donné gratuitement. Ce magnifique tome 0 que beaucoup de monde recherche actuellement. Il y a des gens qui sont prêts à mettre des je sais pas combien de sous pour l'avoir parce que c'est très collector, alors comment on me l'a donné parce que je travaille là-bas. Vous voulez m'en donner plusieurs, mais j'ai fait au début, moi je pensais pas que ça allait ultra bien se vendre, mais bon. Mais ça, les gars, c'est toute mon enfance, les gars. Oh, je me rappelle. Les gars, c'est toute mon enfance, franchement. Best dessin animé. C'est mieux que là, vos merdes là. Mieux que vos dessins animés à la con maintenant. Oui, je suis désolé, je suis aigri. Et alors ? Il y en a, ils sont bien. Alors oui, bien sûr, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Alors oui, on pourrait se poser des questions, pourquoi j'ai ça ? Vous savez, hein, le monde a été créé, on sait pas pourquoi, ben j'ai ça, on sait pas pourquoi. Ici c'est mon coin gaming les gars, parce que moi j'adore le jeu vidéo gaming. Et on a plein de trucs. Ma télé, j'ai dû la changer. Cette télé avant était, je vous montrerai après, mais elle a été sur mon meuble PC, mais ma télé a cramé, du coup il faut que j'en achète une autre. Sur mes deux écrans, j'ai dû en prendre. J'ai ma Switch Pro, bon j'appelle ça une Switch Pro, mais c'est ma Switch OLED. J'ai ma Wii, parce que j'ai racheté une Wii. J'ai des vieux jeux à l'époque, j'ai une Game Boy Advance, j'ai un vieux appareil photo. J'ai des manettes, j'ai la PlayStation 4, j'ai quelques câbles pour streamer parce que oui mesdames et messieurs, je stream de base ma chaîne Twitch. Je vais reprendre dans pas longtemps, mais ce sera pas des streams en mode truc de ouf, enfin ce sera juste on fait du jeu vidéo tranquille qu'on discute. Là c'est mes DVD manga à part celui-là, mais j'avais pas d'autre endroit. Là c'est vraiment tous mes DVD manga en mode Shaman King, mais genre vraiment je les ai depuis que je suis gamin ceux-là, vraiment l'un des meilleurs. Ça voilà aussi, j'en ai beaucoup, beaucoup trop, même depuis que je suis gamin. Et quelques films avec du Justice League, du Spider-Man New Hero. Et pour moi, le meilleur dessin animé de tous les temps. Voilà, ça vaut rien d'autre. Et Kung Fu Panda, c'est le meilleur aussi. Ici, on a tous mes jeux, à peu près PlayStation 3, PlayStation 4. C'est le début de ma première partie de... commencement de ma collection Stranger Things. Alors ça non, c'est pas Stranger Things, ça c'est pas vraiment Stranger Things, mais vous avez capté. La Master of the Puppet, Stranger Things 4, Stranger Things saison 3, saison 2, saison 2, saison 1, saison 1, voilà. Et saison 4, voilà. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est musique, j'ai des pop zambales parce que j'aime bien la protection. Ici, ce sera pour la fin, ma PlayStation 3 que j'ai racheté, enfin que j'ai racheté une PlayStation 3, ça fait plaisir. Voilà. Passe à le plus intéressant que je vous montrerai beaucoup plus en détail dans une vidéo manga tech que je ferai. Là, on passe au coin où je vais tourner la plupart de mes futures vidéos. Vraiment, je vais me décider de me reprendre à fond. C'est ici, voilà. Ce sera un peu le décor, etc. C'est le décor de mes vidéos avec ma vitrine Sword Art Online. Vraiment Sword Art Online, je vous l'ai dit tellement que je kiffe. J'ai tous les DVD sauf dernier de celui-là que j'ai toujours pas acheté parce que c'est assez cher. Quelques figurines, je vais en acheter beaucoup plus. J'aurais m'en faut une de Kirito, de Geo et etc. Tous les jeux qui sont sortis actuellement. Sur PlayStation 4, mon coin The Promised Neverland, vraiment. Je vous l'ai dit, ça c'est vraiment pour moi le top des animés pour moi. On peut pas tout mettre étant donné que voilà, voilà avec les figurines, tous les Shonen Jump à peu près où ils sont apparus. L'artbook, voilà, le DVD, vraiment beaucoup beaucoup de choses. En bas, c'est un peu là où je mets tous mes collectors, mes collectors et mes éditions spéciales en mode Akashi Triangle en japonais. Moi, quand je mets un Card en Flame, édition collector, One Punch Man, Berserk, One Piece, Tom 100, My Hero Academia, j'ai commencé à mâcher 2-3 collectors. Même si beaucoup sont contre. Et mon énorme collection de cartes Pokémon. Vraiment, je suis un énorme fan de cartes Pokémon. Bien depuis, bien longtemps avant la hype. Et vraiment, je suis assez content des cartes Dragon Ball Z aussi. Mais je suis assez content de ma collection. Je suis pas peu fier de ce que j'ai. Et là, bien sûr, c'est là où j'ai... Ça, c'est ma petite boîte un peu plus rare, etc. Avec des boosters non ouverts, noir et blanc, etc.
beaucoup beaucoup de cartes collector, etc. Et surtout mes cartes les plus rares avec Draco Feu des 25 ans, Rayquaza V alternative, Eternatus V secrète, Tortank, Léviator Obscur, voilà, les 25 ans. Vraiment, pour moi, c'est les cartes les plus rares. Après, je les ai pas toutes, j'en ai beaucoup ici actuellement, mais je vais pas trop vous les montrer parce que sinon, on mettrait trop longtemps. Ensuite, là, on a ce fils de pute aussi. Avec d'autres posters ici, hein, bien sûr, toujours sur internet, on a le tronc. Toute ma collection de mangas, je vous montrerai pas tout pour l'instant, parce que je suis encore actuellement en train de la ranger, et surtout, je vais en faire une vidéo spéciale Manga Tech, où je vous présenterai tout ce que j'ai comme collection, avec des light novels, bref, etc. En haut, j'ai une collection très spéciale, j'ai pas tout lu, mais j'ai ma collection Stranger Things. Vraiment, Stranger Things, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. En mode, c'est l'une des premières séries que j'ai commencé. J'ai commencé avec Breaking Bad et tout ça, mais en mode, j'ai quand même un certain amour pour cette série. Actuellement, ici, c'est mon bureau où je fais mes montages TikTok, mes live Twitch, mes deux chaînes YouTube. Vraiment, je travaille et je geek de temps en temps, bien sûr, il faut geeker de temps en temps. C'est un peu le bordel parce que j'arrive jamais à gérer, etc. Petite surprise aussi. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un ordi comme ça. Bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai dû déplacer mon écran qui était là, ici. J'ai deux PC, un PC pour les streams et un PC pour le gaming. Parce que c'est une GTX 1650 Super. Et là, c'est une RTX 2070 ou 3000, je sais plus. Vraiment, ça fait un moment que je l'ai fait, ce PC, donc je m'en souviens plus trop. Et voilà, ça fait plaisir. En plus, j'ai la box dans ma chambre. Que rêver de mieux. Moi, ce sera le dernier truc. Avec mon fond vert Elgato, bien sûr, je ne suis pas sponsorisé, mais vous avez compris. Et plus, voilà, on a la famille complète. J'aime beaucoup trop les Simpsons. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, je vous ai accueilli en mode pyjama parce que moi je suis en repos et que j'avais pas très envie de m'habiller. Franchement, voilà, on est un jour de repos, on profite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer de 1 pour la manga tech des abonnés. Si ça vous intéresse de me suivre sur toutes mes autres chaînes YouTube, qui est le juge des animés, cette chaîne, sur mon Twitch, Redex Otaku, mon Instagram et mon Discord. N'hésitez pas, on est partout sur internet en fait. Vraiment partout. J'ai un boulot, vous inquiétez pas, mais on est quand même partout sur internet. J'espère que la suite vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Redex. Ciao les gens.